Alors, bonjour à tous. Une petite vidéo aujourd'hui pour répondre à Monsieur Claude Muller sur une installation Enelsa qui aurait un problème de température sur le compresseur. Donc moins 4 et 36 degrés sur le compresseur du salon. La tête est à 10 degrés et la sortie à 48 degrés. Donc là, il a joint une photo sur le forum. Donc quand je vois ça, je dirais qu'on aurait un problème sur le détendeur. J'ai l'impression que le gaz, carrément, il passe du détendeur directement à l'aspiration. Donc ça serait cette pièce-là, normalement, à remplacer. Donc ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est que en fait, on aurait de la glace au niveau du serpentin extérieur, ce qui fait qu'on reviendrait sans évaporation au niveau du compresseur. Mais ça serait aussi important comme ça. Je pense que c'est plus un problème de comment dire, de détendeur qui est défectueux. Voilà, pour cette vidéo. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui.